Et bonjour à tous. Alors, Alors, bonjour. Je suis sortie de la station camping-car qui est à 1,5 km du village et j'ai trouvé un parking où je pouvais me garer aisément. Donc maintenant, il me reste plus qu'à aller voir si l'église est ouverte et visiter un peu ce village. Alors, je ne pense pas que nous soyons dans un village typique alsacien. Je passe de ce côté par là où je suis arrivée parce qu'il y a des chiens là-bas. Marc, s'il est fermé, je peux passer. Un gros chien qui aboie, il a l'air fermé. On va faire au plus court. Donc, il y a une église magnifique. Par contre, je pense que ça fait partie des églises reconstruites. On va passer le chien. Hein. Alors évidemment, après l'église, j'irai un peu plus loin, vous montrer quelque chose que j'ai repéré sur la carte, sur l'application. Alors là, nous sommes sur une église qui, je pense, reconstruite. N'oublions pas que nous sommes sur une commune frontalière avec l'Allemagne. Donc voilà, il y a du vécu ici, je pense. Donc je vous montre et elle est jolie quand même. Nous avons ici des anciennes pierres. Très certainement des vestiges. Wow. Ouais, très certainement des vestiges de l'ancienne église. Alors depuis ici, je vais vous montrer comment ils accèdent au clocher. Vous voyez, par cette échelle, j'ai le soleil en face. Et tout en haut, il y a les cloches et l'horloge. Alors comme je vous disais, je cherche un accès pour situation de handicap. Alors là, franchement, il y aurait la place d'en faire un. Hein. Et je ne le trouve pas. Donc j'ai bien peur de devoir vous montrer que le devant de l'église, à moins qu'il y ait une porte sur le côté, mais comme la messe est commencée, je n'ose pas déranger. Alors, par là, il y a un accès, mais après, il y a d'autres marches. Je ne sais pas par où passer. On va voir. Je crois que j'ai un panneau d'histoire de l'église. Alors, je viens de rencontrer un monsieur qui m'explique que effectivement, l'église a bien été bombardée et reconstruite. Ici, dans cette pierre, elle est creuse, et ils ont conservé des parchemins et des documents de l'époque. Voilà, ça c'est pour nos futures générations. Alors, il m'a dit que j'ai un accès pour handicapés à l'autre porte. Donc, je vais, même si la messe est finie, je vais quand même pouvoir vous montrer l'intérieur de l'église.
Alors excusez-moi pour le bruit, mais je voulais quand même vous montrer que cette partie-là, toute cette partie-là, le cœur, a été préservé. Identique de l'époque. Et l'église, vous voyez, a été reconstruite à partir de là, de façon contemporaine. Et cet orgue qui n'a rien à voir avec les orgues que nous rencontrons habituellement, est vraiment une œuvre contemporaine. Alors, il y a encore des gens, c'est normal. Mais au cas où ils ferment l'église, j'ai préféré montrer tout ça quand même. Avec une porte d'entrée, avec des vitraux. Elle est magnifique. Ces tubes que vous voyez sortent. Ils sortent à l'horizontale des tubes de l'orgue. Alors là, je m'approche d'un vestige qui est indiqué sur la carte, c'est un bunker. Il est sur une propriété privée maintenant. C'était très certainement un moyen de défense parce qu'avec cette meurtrière là, voilà ce qu'il en reste. Ça n'est pas détruit. Ça n'est pas détruit parce que c'était très souvent extrêmement très solide. Et voilà. Il reste des vestiges comme ça un petit peu partout. Avec un bouquet de lavande aujourd'hui. Salut toi! Salut! T'es beau! T'es joli comme tout! Attends, je vais essayer de venir te voir. Ouais! Faut pas toucher les fils. Hein. Tu veux que je te caresse? Ouais! Oh ouais! Oh ouais! Tu t'es demandé ce que c'est ma boîte là? C'est quoi ma boîte? C'est quoi ma boîte? T'as les mouches qui t'embêtent. Oh oui! Oh, il fait chaud, hein. Oh oui, il fait chaud. T'es beau comme tout, dis donc. Allez, je te laisse. Je vais aller voir le village. S'il y en a. Thank you.
Alors, je suis sous le porche de l'église du village où je suis arrivée, où j'ai accessibilité. Mais l'église, l'église est fermée. Donc, c'est pas grave. On en a déjà vu une. Pour tout vous avouer, là, aujourd'hui, je me sens très fatiguée. Très fatiguée, donc je suis parquée à côté du chemin de Gina et Francis. S'ils arrivent jusque là, c'est bien, tant mieux, parce qu'ils ont de quoi bivouaquer à côté de moi. J'ai trouvé un petit coin tranquille. C'est pas la pelouse super cool, mais c'est tranquille. Donc voilà, donc là je vais retourner au camping-car, travailler ma vidéo d'aujourd'hui et me reposer, parce que je ne sais pas si c'est le temps qu'on a eu ces deux derniers jours, mais voilà, c'est pas la forme. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir, ça va revenir. Allez, bisous.